Donc le hall de la clinique Saint-Jean à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Montpellier, c'est un hall qui fait à peu près 1500 m² et qui a un rôle fondamental de jonction, puisqu'il est traversant en fait. Il rejoint sur le rond-point principal, qui est aussi un accès à travers le tramway de Montpellier, à travers ce hall, le parking. Et donc il y a vraiment tous les publics qui rentrent de part et d'autre de ce hall, qui est très conséquent, très généreux à travers sa hauteur. Il est aussi très généreux parce que en son cœur, on a dressé une immense verrière qui vient accueillir aussi une petite palmeraie. Enfin voilà, il y a une vraie notion d'accueil pour un public qui est plutôt un peu stressé, parce que c'est jamais très agréable de venir dans une clinique. Donc il y a une notion d'apaisement qui a été très importante quand on a dessiné ce hall. On voulait quelque chose d'extrêmement lumineux malgré sa profondeur. Et puis ces halls de clinique, forcément, ils sont très encombrés aussi au niveau du sol. Donc on va y retrouver des salons d'attente, des sièges, des banques d'accueil. On va y retrouver des bancs pour se reposer, de la restauration, de l'information. Donc c'est très encombré, d'où l'importance de réussir à apaiser sur les autres faces. Donc les autres faces sont les façades qui sont traitées en béton blanc. Et puis ce plafond Barisol là, qui fait à peu près 1000 m² de surface et qui offre donc beaucoup d'avantages. Je suis Philippe Savantès, je suis un des architectes et aussi ingénieur du groupe A+, un des trois fondateurs. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir un groupe qui fait une centaine de personnes implantées sur Montpellier, Toulouse et Paris. Nous voici dans le hall d'entrée de la clinique Saint-Jean, qui est bien plus qu'un hall d'entrée parce que c'est un véritable lieu de vie. Le choix des matériaux qui le composent a été réalisé autour de la pérennité des ouvrages et de sa facilité d'entretien. Donc des matériaux qui se suffisent à eux-mêmes, évitant tout revêtement rapporté. Ainsi, un revêtement de sol en grès céram, finition polybrillant, et des façades en béton brut teinté de la masse. Restez le faux plafond. Nous cherchons un faux plafond qui réponde à plusieurs critères, l'acoustique, l'esthétique et la sobriété, et puis sa technique, de manière à dissimuler le plus possible les terminaux de climatisation, chauffage, désenfumage. De longues études d'exécution ont été menées pour, au fil de cette conception, pouvoir y intégrer, bien sûr, toutes les bouches de soufflage, dissimuler les grilles de ventilation et intégrer les lignes d'éclairage qui ont permis de répondre aux besoins en termes de luxe nécessaires pour l'éclairage du hall. Quelques mots sur le chantier pour souligner sa rapidité, sa propreté pendant la réalisation des travaux. Ce qui aide sur un chantier mené dans un planning très réduit, dans un hall de près de 1500 m². Aujourd'hui, après 8 mois d'usage, nous sommes satisfaits de ce hall, de son confort acoustique et esthétique et des matériaux qui le composent.